On a créé cette association en juillet 2014 avec l'idée de reprise d'un exemple brésilien qui faisait que des personnes détenues qui lisaient un livre avaient 4 jours de remise de peine. Du coup, on a proposé dans le cadre d'un projet de loi que ça soit la même chose en France. Et donc, ça a été adopté par une loi de 2014. Désormais, les personnes détenues qui participent à des activités culturelles ont la possibilité d'avoir jusqu'à 3 mois de remise de peine supplémentaire. C'est un programme ouvert à tous, pour toutes les personnes sachant lire et écrire un minimum. Ça résulte de leur initiative personnelle, il n'y a aucune vocation obligatoire, scolaire. L'idée, c'est du plaisir. Le bénévole va rencontrer le lecteur, déterminer, l'accompagner dans le choix du livre. Le choix du livre se fait dans un catalogue, ce très joli catalogue qui va bientôt évoluer en 2019, avec tous les livres que l'association propose. Donc ça, c'est l'outil du bénévole, et ensemble, tous les deux, le lecteur et le bénévole, ils vont choisir un livre, et ensuite, chacun de leur côté, lire cet ouvrage, et se rencontrer une fois par semaine pour échanger sur les thématiques soulevées par l'ouvrage. On organise des rencontres auteurs, ça s'inscrit dans les activités culturelles qui est proposée à chaque établissement pénitentiaire partenaire. Donc une date, un auteur, une rencontre. On achète en amont, à peu près un mois avant, on achète les livres pour que les personnes détenues puissent lire, parler et se questionner sur l'ouvrage. Et ensuite, le jour J, l'auteur se déplace en détention et échange durant à peu près 2 heures avec les personnes détenues. Plus de 2 ans, je vais tous les lundis après-midi en principe. J'arrive à 1h30 pour l'ouverture de la prison et j'en repars à 5h30 pour la fermeture. Il y a à peu près une cinquantaine de dames qui me sont passées entre les mains parce qu'il y a un taux de renouvellement et j'en suis une dizaine chaque lundi. Je les vois entre 5 minutes et 25 minutes. C'est selon leur humeur, leur envie. On choisit ensemble des livres. Il y en a qui lisent 4 livres par semaine, d'autres un livre par semaine, d'autres un livre par mois, d'autres un livre par trimestre. Je parle par exemple des étrangères qui ne parlent pas le français. Donc on fait chapitre par chapitre ensemble. C'est que les détenues aient une meilleure image d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes... jusqu'ici, j'ai récupéré des femmes. Elles sont quand même dans une démarche de culpabilité, de remords, d'incertitude. Et quand elles ont fait une fiche de lecture, elles sont fières d'elles-mêmes. La force de notre association, c'est effectivement le bénévolat, puisque voilà, nous sommes accompagnés par beaucoup, beaucoup de bénévoles qui sont la cheville ouvrière de notre projet associatif. Nous recherchons régulièrement des bénévoles. Chaque année, nous renouvelons notre catalogue de lecture et nous pré-rédigeons à l'attention des détenus des fiches lecture qui les aideront rapidement dans la compréhension de l'œuvre. Et là, voilà, pendant 3 mois, on a une charge de travail très intense et on peut aussi être bénévole à lire pour en sortir chez soi, à lire les livres et à compléter la fiche lecture.